Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque je vais vous présenter un lot de miniatures que j'ai trouvé chez Emmaüs pour la somme de 2,50€. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur la table pour les voir en détail. Donc voilà les amis, nous voilà sur la table et on commence tout de suite avec une Burago 1.43 et il s'agit d'une Audi Quattro qui est quand même assez bien conservée. Donc on peut voir qu'à l'époque Burago c'était pas de la Tempo mais des autocollants. Donc ça change des Burago qu'on voit maintenant. Hein. Voilà. Ça c'est le dessous. Made in Italy. Alors que maintenant elles sont made in China. Voilà. On continue ensuite avec un Land Rover Defender. Allez. Voilà. Il est magnifique. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Le dessous. On continue ensuite avec une Renault Clio 2. Donc celle-ci, je la recherchais. Hein. Donc je suis bien content de l'avoir trouvée. Voilà. On continue ensuite avec une Alfa Romeo. Bon, celle-ci, l'autocollant, il n'a pas trop bien survécu, hein. Même si la peinture, elle a bien vécu. Donc celle-ci, on peut dire qu'elle est en état de jeu. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, elle me va comme elle est. Et si un jour je la trouve en meilleur état, bah, je la prendrai, mais pour l'instant, elle est très bien. Donc le dessous, Alfa Romeo 33. On continue ensuite avec une Peugeot 405 T16. Celle-ci, elle a super bien vécu. Et elle s'est bien conservée. Et surtout, elle n'a pas eu le problème que beaucoup de 405 ont, qui se cassent ici ou ici. Le dessous. Voilà. Elle est superbe. On continue ensuite avec une BMW qui, elle, s'est aussi relativement bien conservée. Voilà. Et il s'agit d'une 535i. Franchement, elle est magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. On continue ensuite avec une Fiat Tipo. Et c'est là maintenant que vous allez voir le problème des autocollants chez Burago à l'époque. Allez. Voilà. Donc ça, elle était super bien conservée au niveau de la peinture, ça, il n'y a rien à dire. Au niveau des autocollants latérales aussi, mais regardez au-dessus. Voilà, c'est le problème des autocollants de chez Burago à l'époque. Mais bon, je la garde dans l'état. Et voilà, puisque je la cherchais aussi. Le dessous. Et voilà. On continue ensuite avec une deuxième Renault Clio 2 en jaune. Donc, qui est un peu mieux conservé. Allez. Voilà. Ah,
À noter qu'il n'y avait pas de tempo du tout, hein. Le Renault et le Clio étaient gravés dedans. Et que le logo Renault, c'est pas une tempo, mais un petit autocollant. Voilà. Donc le dessous. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est tout made in Italy, hein. Il n'y en a aucune qui est made in China. On continue ensuite avec une Porsche. Bon bah celle-ci elle est en état de jeu hein, clairement. Voilà. Elle est super jolie. C'est juste dommage qu'elle soit en état de jeu. Mais je pense que je vais enlever les autocollants et que je vais la repeindre. Ça sera beaucoup plus belle. Donc Porsche 959. Donc à vous de me dire si celle-ci j'enlève les autocollants ou je la repeins ou si je la laisse en l'état. Après c'est une vieille miniature hein, donc voilà. On continue ensuite avec du Majorette, mais pas n'importe quel Majorette puisqu'il s'agit du Majorette Made in France. Et on commence tout de suite avec cette Volvo. Allez. Voilà. Donc je pense que celle-ci, beaucoup doivent la connaître. Hein. Moi, je l'avais aussi en étant petit, mais voilà. Il y a un ouvrant. Un deuxième ouvrant. Voilà. Ça, c'est le dessous. Donc Made in France, Majorette, Volvo 760 GLE, numéro 230. Voilà. On continue ensuite avec une Volkswagen Golf. Donc assez bien conservée. Hein. Voilà. Donc il s'agit encore d'une Majorette Made in France, Golf GTI, numéro 235. Voilà. On continue ensuite avec un... Allez. Toyota. Qui est super aussi. Il a un ouvrant. C'est le capot. Voilà. Voilà. Donc on le retourne. Donc Made in France, Majorette Toyota Pickup numéro 287. Voilà. On continue ensuite avec une Peugeot 405. Donc celle-ci elle n'est pas Made in France. Hein. Mais c'est une Majorette aussi. Allez. Voilà. Donc elle a un ouvrant. Et un deuxième ouvrant ici. Voilà. Elle est superbe. Donc on retrouve les anciennes roues Majorette. Hein. Donc Majorette Peugeot 405 MI16 numéro 218. Voilà. Et on termine avec une Kadiaq. Cabriolet. Qui est superbe. Donc il s'agit d'une Kadiaq Alante. Donc Majorette mais pas Made in France. Voilà. Numéro 253. Donc je trouve qu'elles sont quand même assez bien conservées. Puis bah voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss.